Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le calage distribution. Par exemple, quand vous avez décalé la courroie, par exemple, dans ce cas-là, moi, c'est la courroie d'alternateur qui a cassé, qui est passée dans la distribution, qui a tout décalé. Donc voilà, je vais vous montrer comment recaler la distribution sur ce moteur-là. C'est un Elite 9 SDI Golf 4. Donc, déjà, vous avez ici le trou pour la pompe à injection. C'est une vis, vous mettez un foret de 6 là dedans, un foret de 6 dedans ici. Après ici vous avez le calage ici. Moi j'ai fait avec une, vous savez, les cales pour repousser les pistons. Parce que moi j'avais pas le kit de calage Volkswagen. Donc il faut improviser. Donc voilà. Il faut que, en fait, ici, soit bien calé. Que ça touche ici et ici. Vous mettez quelque chose comme ça qui cale bien, que ça bouge pas. Ici. Et après, au niveau de la boîte, il faut le point de calage. Ici. Hop. On va voir ici, là. Voilà. Vous mettez une vitesse, vous levez la roue, hein, d'un côté. Vous mettez une vitesse, vous tournez jusqu'à ce que vous arrivez à mettre le trait en face ici. Voilà. Le repère, il est là, comme ça, et vous mettez le trait en face. Là, vous avez le PMH. Ici, bon. Là, pareil. Vous calez ici. La pompe à injection, comme je vous ai montré. Hop. Ici, je vais vous montrer à peu près comment ça tombe en bas. Voilà. Donc ici en bas. Moi je me suis fait une cale comme ça avec une patte pour pas que ça bouge. Alors, là vous avez trois petits points au niveau de la des dents de la du pignon. Vous allez voir, regardez. Celle-là, là, il tombe à peu près en face de ça. Après, vous le marquez, vous faites une trace au blanco et vous mettez quelque chose pour caler. Si vous avez les calages Volkswagen, c'est mieux. Comme ça, vous calez tout nickel. Moi, je me suis fait une patte parce que j'avais rien. J'ai pris une patte comme ça, j'ai vissé là où il y avait les deux vis déjà faites et celle de la poulie. Voilà, comme ça, c'est calé aussi en bas. Ah, ça, c'est les points de calage pour si vous avez un problème de décalage de distribution ou quoi. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et n'oubliez pas le petit pouce et abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir.